Salut tout le monde, c'est Quentin Masson alias QTMSN. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale puisque j'ai reçu, du moins j'ai acheté, la nouvelle Xbox One S. Donc cette Xbox One S, donc je l'ai acheté voilà, il y a quelques jours à la Fnac, donc au prix de 270 €. Mais j'ai eu une remise de 100 € en plus, ce qui fait qu'elle m'a coûté voilà 170 €. Donc puisque l'offre ne dure pas longtemps, je vous mettrai bien sûr dans la description un lien vers les promotions de mon partenaire Amazon. Voilà. Alors donc cette Xbox One, donc voilà, c'est le modèle en blanc, 500 Go, avec le jeu Battlefield 1 qui est sorti voilà il n'y a pas si longtemps que ça. Donc elle est proposée également à ce même prix avec cette fois-ci FIFA. Mais j'ai préféré voilà justement choisir avec Battlefield puisque pouvoir y jouer. Donc on va passer donc au déballage. Toutefois, puisque ce sera vraiment simplement un déballage de la Xbox One et pas non plus un test où j'explique concrètement c'est quoi les nouveautés, je vous referai une vidéo test où dedans, bah voilà, j'expliquerai un peu quelles sont les nouveautés de cette Xbox One. Et bien maintenant c'est parti, on va passer au déballage. Allez c'est parti, on y est. Donc on a la Xbox One ici, donc on va déballer. Alors si on regarde un peu le packaging, bah voilà, enfin avant on était sur un packaging très vert avec beaucoup le vert prédominant plutôt. Ici donc voilà, donc on nous parle bien sûr de la Xbox. Comme quoi maintenant elle est compatible, si on voit bien, compatible 4K. Donc il y a la manette, voilà, la console et les 500 Go. Donc on peut avoir 500 Go, 1 TO ou 2 TO. Voilà. Si on prend, voilà, toujours la même chose. Et là on nous indique bien sûr à cet endroit, comme quoi on aura Battlefield en dématérialisé, ainsi que un mois d'Electronic Arts qui nous permet de pouvoir jouer à des jeux voilà, avec un abonnement à un coût très moindre. Voilà, donc on va commencer tout de suite le déballage de cette Xbox One. Donc si on la prend, donc voilà. Alors, j'ai déjà, hop. Alors, quand on la déballe, on a déjà bien sûr une petite notice d'explication bien sûr, voilà, sur la façon de la connecter et sur la façon d'allumer donc bien sûr sa manette, donc c'est un peu le démarrage. Donc l'intérieur de la boîte est bien sûr aussi différente de si on prenait sur la Xbox One qui était sortie avant, puisque là actuellement, voilà, donc on a déjà un petit carton où à l'intérieur on retrouvera donc sûrement le jeu, voilà, comme on peut le voir. Hop, on essouffle ça. Voilà. Et là, bien sûr, on a bien sûr donc Battlefield, le jeu. Le mois gratuit, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure. On a aussi un code. On a aussi un code, voilà. Pour jouer plusieurs jours donc au Xbox Live pour qui ce serait la première fois qu'ils ont une Xbox et qu'ils n'ont toujours pas acheté l'abonnement pour jouer en ligne justement. Et voilà les notices d'information. Et voilà, donc ça c'est pour plutôt l'aspect voilà, notice et le jeu. Si on continue notre déballage, alors du côté on a bien. Et voilà. Alors, hop. Ici, on a donc deux compartiments. Où là, on aura d'un côté le câble d'alimentation. Voilà, qui se branche directement à la Xbox. Puisque maintenant, depuis l'Xbox One S, on n'a plus de bloc d'alimentation. Donc, le gros truc qui prenait vraiment énormément de place. Voilà. Donc, maintenant, c'est vraiment. Franchement, je pense que beaucoup de joueurs sont satisfaits de cet avantage. Donc, voilà. Ensuite. Ce n'est pas tout puisqu'on a, alors là, et voilà, on a déjà la manette avec bien sûr les piles fournies comme pour chaque manette achetée. On a bien sûr la Xbox One, la manette de la Xbox One S, voilà, en blanc. Donc j'en parlerai bien sûr dans une vidéo test plus en détail puisqu'il y a pas mal de petites choses à dire sur cette manette même si on ne le voit pas. Et on a bien sûr les piles fournies avec. Enfin, on a le câble HDMI, voilà, compatible 4K, qui se branche donc à la Xbox One et à la télé,
relié à la télé, bien sûr, ou au moniteur, si vous préférez jouer avec une Xbox One S sur un moniteur plutôt que sur une télé. Alors ça, c'était pour tout ce qui était carton, voilà. Et on va déballer notre petit jeu du jour. Et voilà. Donc on a. Et voilà, on a donc notre Xbox One S. On va essayer de l'enlever. On met tout ça. De chaque côté. Voilà la bête. On a donc la Xbox One S, donc la console, avec bien sûr, donc j'en parlerai bien sûr, comme je vous ai dit, plus en détail dans une prochaine vidéo. Toutefois, on peut remarquer déjà quelques petits trucs, c'est qu'elle est déjà largement plus petite que l'ancienne, malgré qu'on ait le bloc d'alimentation à l'intérieur. Et on a bien sûr pour le disque. Le bouton qui n'est plus tactile, mais qui est un bouton poussoir. Et on a un espèce de... Le socle, plutôt, est en noir. Donc, très appréciable. Voilà. Avec, bien sûr, l'aération pour le ventilateur. Au-dessus et du côté. Et ici, on a toute la connectique utile pour pouvoir brancher sa Xbox et brancher les équipements à côté. Voilà. Donc ça, c'était vraiment une petite vidéo pour vous déballer la Xbox One S. Donc, qui, je le rappelle, est au prix de 299€. Mais à l'heure actuelle, on a des promotions intéressantes sur la Fnac, par exemple, ou sur Amazon. D'où le lien que je mettrai dans la description. Donc voilà, donc ça c'était vraiment un aperçu de la Xbox One S, donc avec le Battlefield. Donc en effet, voilà, comme j'avais dit dans l'introduction, ce sera ça, c'est simplement un unboxing où voilà, je déballe simplement la Xbox. On se retrouvera bien sûr dans une nouvelle vidéo où là je ferai vraiment un test complet de cette Xbox One S, puisqu'il y a quand même pas mal de nouveautés, même si les nouveautés principales, bon on les connaît hein, bien sûr, c'est la 4K, c'est voilà, le design, mais il y a quand même pas mal de choses à dire, et donc c'est pour ça que je vous réserve une autre vidéo qui sortira très prochainement, où j'en parlerai. Allez, n'hésitez pas à bien sûr à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et surtout à partager la vidéo. C'était Quentin Masson.